Alerte rouge. Ce message est adressé aux humains. Je suis un naturaliste intergalactique matricule. Je suis de passage sur la planète Terre pour voir les nombreuses formes de vie complètement schlag qui existent. Aujourd'hui, par exemple, j'ai vu une bête qui passait ses journées à dormir sous les ponts. Schlag ! Schlag nature ! La nature, c'est gros schlag ! Bon, depuis que je traîne avec les humains, j'ai peur d'une seule chose, c'est de croiser des éco-terroristes. Y a un truc bizarre là qui se trame, vous trouvez pas ? Bon sang, qui êtes-vous ? Qu'est-ce que vous me voulez ? Nous sommes les soulèvements de la couette. Les soulèvements de la quoi ? Allez-vous-en ! Tu ne crains rien parmi nous. Nous venons de la planète Ubica, la planète qui vit 100% en collectif. Là-bas, tout le monde est tout le monde, et 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 tout... Bon. Pardon. La planète Ubica. Mais attends, ça fait super loin depuis la planète Terre. Qu'est-ce que vous faites donc ici ? Chez nous, l'individualité n'existe pas. Nous sommes des êtres multiples, dirigés par une seule et même pensée. Nous voulions visiter la planète Terre pour découvrir ce qu'il se cache derrière un selfie. Un selfie ? En arrivant ici, nous avons été étonnés de découvrir tout un panel d'humains terriblement égocentriques. Quelle merveille ! Ces humains nous ont ouvert des portes de modes de vie si différents dont nous comptons nous inspirer. Même s'ils ont un petit problème avec leur conception de ce qu'ils appellent la nature. Ah, je vous vois venir. Et puis après, vous allez parler de sauver la planète. C'est quoi ce soulèvement de la couette ? Le soulèvement de la couette consiste à aller se glisser chez les gens pendant qu'ils dorment. Durant leur sommeil, on leur susurre d'autres manières de vivre à l'oreille. Et au petit matin, on s'en va en leur enlevant la couette. Ce qui les réveille, et soudainement, ils ont cette étrange envie de changer de vie. Ça m'arrive des fois de me réveiller avec une jambe dehors et une jambe sous la couette. C'était donc vous ? Ça n'a rien à voir. Tu avais simplement trop chaud, pardi. Nous, c'est tout autre chose. Ok, bon. Si je vous dis que j'ai vu une bête qui dormait sous les ponts, mais que j'ai aucune idée de ce que c'est, vous avez une idée, vous ? Ça tombe bien que tu nous aies demandé ça. Durant nos errances nocturnes à susurrer des rêves aux dormeurs-dormeuses, nous avons croisé cette bête. Commençons tout de suite. Si je te dis que cet animal qui dort sous les ponts symbolisait à l'époque du judéo-christianisme le tourment de l'enfer, alors qu'il est en réalité inoffensif, en plus d'être un puissant allié en tant que grand dévoreur de moustiques. Vois-tu de qui je parle ? Je sais pas. Eh bien, il s'agit des chauves-souris, qui sont malheureusement encore mal aimés des humains, à tort. Et je le rappelle, ce sont des espèces protégées en voie de disparition. C'est d'ailleurs le seul mammifère volant au monde. Pour expliquer très rapidement leur mode de vie, les chauves-souris mâles et femelles s'accouplent entre septembre et novembre, puis hibernent de décembre à la mi-mars pour survivre face à la disparition des insectes. Au début du printemps, après un long sommeil, les femelles vont chercher un gîte et se regrouper par colonies pour accoucher d'un unique petit. Ce n'est qu'au retour de la reproduction en septembre que les mâles et les femelles se retrouvent. Tout au long de l'année, les chauves-souris vivent la nuit et sommeillent la journée dans différents endroits. Je croyais qu'elles ne dormaient que dans les grottes. Non, elles peuvent aussi dormir dans d'anciens forts militaires, des bunkers, des maisons en ruines, des caves, des cavités souterraines, ainsi que dans les troncs d'arbres et sous les ponts. Les ponts à corniches en béton
qui conservent bien la chaleur en hiver sans être trop chaud en été, sont ceux qui attirent le plus de chauves-souris. Mais les ponts avec des voûtes en briques et en maçonnerie sont pas mal du tout aussi. Par contre, elles n'aiment pas les ponts en métal à cause de leur température qui ne reste jamais fixe. Mais pourquoi elles ont décidé de vivre là ? Ces ponts sont difficiles d'accès pour les prédateurs. Et les chauves-souris aiment aussi chasser les insectes le long des cours d'eau. Pratique. Elles y restent toute l'année sous ces ponts. Les ponts ne sont pas les gîtes idéales pour qu'elles puissent hiberner durant l'hiver, car elles risquent d'y mourir congelées. Durant la saison froide, elles préfèrent des lieux où la température s'avoisine à 10 degrés, tout en ayant une bonne humidité pour éviter le dessèchement de leurs ailes. En fait, ce sera plutôt durant la saison chaude que tu pourras les croiser là-dessous. Et même si elles ne sont pas nombreuses, elles resteront des occupantes régulières. Je comprends rien. Quand je passe sous un pont, je n'arrive pas du tout à m'imaginer qu'il y a des chauves-souris dedans. Pareil que voir, c'est croire. Mais comment y croire si on ne voit pas ? Ne te fie pas uniquement à tes sens, qui peuvent parfois te tromper. À l'inverse de tous les primates, les chauves-souris peuvent se faufiler dans de toutes petites fissures, en profondeur, pour s'éloigner du froid. Par exemple, les disjointements entre les moellons d'un pont suffisent pour qu'elles s'enfoncent à l'intérieur du pont. Les encorbellements ou les corniches des ponts en béton peuvent servir de gîte périn. Tout comme les piles creuses ou les voussoirs sont idéales pour les chiroptères qui n'aiment pas ramper pour atteindre leur gîte. Ce sont plutôt quelles espèces qui viennent ? L'espèce par excellence est le murin de Daubenton. Cette chauve-souris va souvent se loger au fond des drains, pouvant atteindre de petites loges invisibles où les femelles vont se serrer en groupe avec leurs petits. Il y a aussi la pipistrelle commune, la plus répandue de France, qui va parfois se rassembler massivement sous les corniches des ponts en béton. Les mâles grands murins, qui sont les chauves-souris les plus grosses de France, vont eux aussi s'installer en solitaire au mois de mars avant d'attirer les femelles de passage, formant de grands rassemblements. Avec un peu de chance, tu trouveras aussi la noctule commune, qui hiberne là-dessous, si les températures ne sont pas trop froides. Et surtout, il y a le minioptère de Schreiber, qui va se regrouper par centaines d'individus en occupant les piles creuses des grands ouvrages, comme les viaducs. Plus c'est vivant, plus c'est bizarre. Quand même, toute cette espèce sous les ponts, je me dis que ça doit faire des dégâts. Non, même sur le long terme. Hormis quelques marques colorées et des traces de guano tombées au sol, il n'y a rien. C'est quoi le guano ? C'est l'équivalent du caca. Et pour les chauves-souris, celui-ci ressemble à des paillettes. Comme elles sont insectivores, c'est-à-dire qu'elles mangent des insectes, leurs crottes ne rejettent que leurs carcasses en débris. Si vous voyez au sol de la poudre qui s'illumine avec une lampe torche, vous pouvez être sûr que des chauves-souris sont au-dessus de votre tête. Et leur présence est bon signe. Si vous en voyez chez vous, ne craignez rien et contactez une association de protection des chiroptères de type spépesque. Elle vous aidera à gérer leur présence. Du caca pailleté ? Franchement, qu'est-ce que c'est que cette bête ? Elle pourrait pas faire comme tout le monde, celle-là ? Sache qu'il y a beaucoup de choses incroyables à raconter sur les chiroptères, tant elles ont une biologie tout à fait originale. Il serait si triste de les savoir évincer. Malheureusement, certains humains les emmurent vivantes, causant leur mort par étouffement. Quelle horreur ! Mais il y a aussi des ponts qui sont construits pour accueillir leur présence, comme la ville de Münster, aux Pays-Bas. Bardée de lamelles en bois avec de fins espaces entre, 4 espèces de chauves-souris ont pu être accueillies. Et il y a aussi les nichoirs qui sont installés sous certains ponts autoroutiers. Et je ne parle pas des sandwichs de pierre qui conviennent bien pour la pose d'un pont en béton. Et tu vas me dire que toute cette présence ne produit même pas de la pollution sonore, que ce soit sous un pont, une cave ou un grenier ? Non, ou alors très peu. Déjà, elles vivent la nuit, quand l'humain dort. Et il faut préciser que l'humain produit bien plus d'émissions sonores et lumineuses que les chiroptères. Après, il est possible que tu entendes des sons très très aigus. Il s'agit du son de leur sonar, qui leur permettent d'éviter les obstacles et de visualiser à la perfection l'environnement. Pour ce faire,
elles émettent par la bouche ou par le nez des ultrasons qui leur reviennent en écho après avoir heurté un obstacle. Et plus l'écho revient vite, plus l'objet est prêt. Truc de ouf! L'humain est capable d'entendre entre les sons très graves jusqu'à 20 Hz et les très aigus jusqu'à 20 000 Hz. Et les chauves-souris communiquent dans les ultrasons entre environ 15 000 Hz jusqu'à 120 000 Hz. C'est si aigu que l'humain ne peut les entendre, ou presque pas. Et ça ressemble à quoi un cri de chauve-souris? Alors il y a des appareils aujourd'hui qui permettent de traduire ces ultrasons dans notre spectre auditif. Voici par exemple ce que peut émettre la pipistrelle commune. Ici, nous avons le son de la noctule. Et ici, nous avons le rhinolophe. Dinguerie. Elle est en mesure aussi d'analyser la structure des objets. Et si elle constate que l'objet est très réfléchissant, à l'inverse des poils d'une mouche, elle sait qu'il s'agit des ailes de papillon et se dépêche d'aller la manger. Des recherches en 1950 ont permis de découvrir que les papillons nocturnes étaient capables de détecter les ultrasons des chauves-souris et de les fuir au plus vite. Ces papillons ont leurs oreilles localisées au niveau du thorax, de l'abdomen et autour de la bouche. Tu imagines des oreilles autour de la bouche? Le papillon, recevant l'ultrason de la chauve-souris, fait alors une acrobatie comme un vaisseau Star Wars pour esquiver son attaque. Et le plus fou dans tout cela, c'est que certains papillons sont à présent en mesure de produire eux-mêmes des ultrasons pour brouiller l'audition des chauves-souris. Certaines chauves-souris se sont alors mises à changer leur fréquence d'émission des ultrasons pour éviter d'être dans la même rangée fréquentielle que celle des papillons. La barbastelle commune a par exemple énormément baissé ses signaux sonores de 10 à 100 fois plus graves pour que le papillon ne se doute de rien et se fasse dévorer tout cru. C'est hallucinant! Cette bataille évolutive dure depuis 65 millions d'années, c'est-à-dire depuis l'apparition de la chauve-souris sur Terre, et c'est loin d'être terminé. Merci pour toutes ces réponses. Avant de se quitter, tu saurais m'expliquer pourquoi les humains ont autant peur de cette bête? Honnêtement, je ne sais pas. C'est dû probablement à cause de l'héritage judéo-chrétien, qui voyait cet animal d'un mauvais œil. Mais il y a aussi le nombre de fausses histoires qui tournent autour d'elle, telle la fameuse histoire de la chauve-souris qui s'agrippe aux cheveux. Histoire que l'on a entendue quelque part, on ne sait trop où, on ne sait trop par qui, et que l'on répète rapidement sans chercher à la vérifier. Peut-être aussi que l'humain a peur d'elle, car il craint l'inconnu, et tout ce qui est autre. C'est un primate qui aime contrôler son environnement, tu sais. Pour ma part, j'y vois ici une peur de l'imaginaire et de la vie tout entière. J'ai entendu dire qu'elle peut être porteuse de la rage, c'est vrai? Oui, les chauves-souris peuvent être porteuses de 3 virus de la rage, même si les cas sont rarissimes en France. Elles ne sont pas agressives et peuvent seulement mordre si on les manipule sans mettre de gants. Mais je rappelle qu'il est interdit de les toucher ou de les déplacer. Et du coup, elles risquent de disparaître? Si la destruction de leur habitat et les traitements chimiques qui les empoisonnent continuent, ce sera probablement le cas. La difficulté à trouver des gîtes sans dérangement participe aussi à leur extinction. L'hiver, le réveil d'une chauve-souris en train d'hiberner l'oblige à dépenser dans sa réserve d'énergie, provoquant souvent la mort avant la fin de son hibernation. Et je ne parle pas des coupas blancs, de la pollution lumineuse importante, l'assèchement des zones humides et la monoculture forestière qui tue la vie. Ah oui, c'est pas drôle. L'humain a du mal à comprendre que tout organisme est vivant parce qu'il est dans un échange chimique avec son environnement. Tous les êtres vivants sont donc dans la même bulle. Avec le soulèvement de la couette, nous espérons faire de la vie, même si elle est absurde et qu'elle n'a aucun sens,
une expérience où justement on injecte du sens là où il n'y en a pas. Allez, je te laisse sur ces réflexions. Nous allons nous revoir bientôt. Place à la déflagration neuronale.